Les éco-délégués, c'est des élèves qui sont volontaires pour promouvoir l'écologie au collège et au lycée. Le but, c'est de mener des petites actions assez simples, mais qui touchent tout le monde pour promouvoir l'écologie. Donc on a installé des boîtes dans tout l'établissement pour recycler les fournitures des élèves. On va essayer de cette année garder toutes les feuilles de brouillon pour ensuite en faire un cahier brouillon et qui sera distribué pour tout le collège et le lycée. Le but aussi, ce serait de mettre en place un vrai tri sélectif au self. On va faire des affiches pour sensibiliser les élèves et pour qu'eux aussi fassent attention à la planète. Il y a un projet un peu plus conséquent qui est de récolter de l'argent pour clôturer un terrain qui appartient à Sainte-Marie. On va pouvoir y faire du sport, de la biodiversité avec un jardin, peut-être des ruches, des poules peut-être. On est dans un monde où on n'a plus trop le choix de faire attention à la planète. On se rend compte qu'il y a des choses qui vont pas et il faut faire quelque chose si on veut pas aller droit dans le mur. Déjà avec le Covid, on est obligé de porter des masques et on se balade dans la rue, il y a des masques par terre, des masques chirurgicaux par terre, même du plastique par terre, dans les mers et tout, sur les plages, on se rend vraiment compte que notre planète est énormément polluée et que c'est vraiment pas bien quoi. Donc c'est important de se mobiliser dès le collège pour prendre conscience de l'importance que ça a, l'écologie, et de faire attention à la planète de manière générale.